Salut les amis, c'est moi, Madame Athos. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on doit partager une chose en trois parties égales. Je vais vous présenter comment je vais partager ma barre de chocolat avec mes deux garçons. Alors, moi, Matthew et Lucas, nous allons partager cette barre en trois morceaux égaux. Ça veut dire un tiers. Répétez, un tiers. Je vais diviser cette barre dans trois tiers. Un tiers pour Matthew, un tiers pour Lucas et un tiers pour moi. Trois parties égales. Trois morceaux égaux. Alors, comment est-ce que ça c'est possible? Comment est-ce que je peux diviser? Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits carrés. Je peux compter et diviser un à Matthew, deux à Matthew, un à Lucas, deux à Lucas, un à Madame, deux à Madame. Mais je peux aussi compter, vous voyez, les rangées. Alors, je vois qu'il y a un, deux, trois, 4, 5, 6. 6 rangées de chocolat. Alors, regarde, parce que si je donne ceci à Matthew et ceci à Lucas et tout ça pour moi, c'est bon, mais Matthew et Lucas seront tristes parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas égal. Mais regarde comment je fais. Je vais diviser en tiers pour que nous avons tous la même quantité. Alors, je vais donner un tiers à Matthew, un deux, un tiers à Lucas, un deux, et l'autre tiers à Madame Athos. Je vais couper en tiers. Regardez, je vais essayer de ne pas briser cette barre. Alors, voici un tiers, deux tiers, et puis trois tiers. Ça va? Est-ce que c'est des morceaux égaux? Oui, maintenant c'est juste. Et voici des tiers. Alors, un entier, c'est la barre complète, et un tiers. Deux tiers, trois tiers. Ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Bravo les amis, un tiers. Alors maintenant, je vais partager avec eux. J'espère qu'ils sont très, très, très contents. Matthew, Lucas, venez me voir. Un tiers pour toi. Merci, maman. Un tiers pour toi. Merci, maman. Et un tiers pour moi. Nous sommes tous contents parce que on a divisé également. Au revoir mes chocolats. Bonne journée.